Je suis maintenant avec Hugo Thouet de la société Bulan. Nous sommes sur le stand IDEO, donc la filière hydrogène de la région. Hugo, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre solution de décarbonation pour les industriels avec hydrogène ? Avec hydrogène, oui, parfaitement. En fait, c'est une solution qui permet de générer sur place à la demande un gaz oxygène et hydrogène pour pouvoir remplacer les bouteilles de gaz fossiles oxygène et acétylène qui sont utilisées dans l'industrie pour des applications de brasage, de soudobrasage, d'oxycoupage, toutes les applications en fait où on fait intervenir un chalumeau dans le process de fabrication. Et donc l'appareil permet de générer sur place de l'oxygène et de l'hydrogène à partir d'une électrolyse de l'eau. Comment ça fonctionne? En fait, on a de l'eau dans laquelle on vient faire passer un courant électrique à l'intérieur. On vient faire l'électrolyse, casser la molécule d'eau en oxygène gazeux et en hydrogène gazeux pour pouvoir le brûler dans le chalumeau. Donc aucun rejet de CO2 avec ce système? Alors non, parce que l'hydrogène, quand il brûle, il n'émet pas de CO2, il n'a pas de chaîne carbonée. Et donc ça permet voilà, de ne pas émettre de CO2 lors de la combustion. Et pas d'odeur non plus? Alors normalement, l'hydrogène n'a pas d'odeur. Pour le coup, c'est une flamme qui est inodore et incolore. Pour des questions de sécurité, nous, on a un système qui lui permet de lui donner une odeur et une couleur. C'est vraiment pour la sécurité, pour que l'utilisateur le voit et le sente si jamais il a laissé son chalumeau ouvert. Merci Hugo. Merci à vous.